Maintenant, comme on l'a vu au niveau d'ici, on aimerait bien que civilité soit totalement enseignée. On est monsieur, madame, mademoiselle. Et dans sexe, on est automatiquement féminin, masculin. Il y a deux possibilités de faire ça. Soit directement ici, on peut créer une petite fenêtre des paramètres. Bon, ici, on n'avait pas né le code, donc tout est présent ici. OK. Donc, je peux créer une nouvelle feuille. Je vais mettre un petit tableau ici, sexe masculin. Comme il a dit, c'est quasiment la même chose que la zone de liste modifiable ou combo box, c'est quasiment la même chose que le list box. Donc, je peux créer un tableau sexe masculin, féminin. Donc, je prends ce tableau, je le mets sous forme de tableau. Mise en forme du tableau. Le tableau contient les antennes. K3. Voilà. Et j'appelle ce tableau là, par exemple, sexe. Mais TB sexe. Je fais entrer. Je fais un autre tableau ici. Civilité. Donc, monsieur. Madame, mademoiselle. Je crée mon tableau. Accueil. Et sous forme de tableau, il contient des entêtes. Et je le nomme TB Civilité. Je fais entrer. Donc là, je vais juste au niveau. Voilà. Je vais au niveau de contact d'ici et sexe, je vais mettre dans la propriété ressources. Les zones de liste modifiables ont aussi des propriétés ressources. Donc, je viens dans la propriété ressources, je mets TB. Sexe. Non, TB civilité. Et là, je viens ici dans propriété ressources aussi. Je mets TB sexe. Alors, désormais, quand je vais afficher, normalement, vous avez vu, les informations de civilité sont présentes, ainsi que les informations de sexe. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, j'enlève les ressources. Ou la propriété ressources, je vais enlever TB sexe là. Et au niveau de l'initialisation, au moment où le formulaire s'initialise, initialize, au niveau de user form initialize, je peux faire me.cb sexe.add item. Et je mets masculin. Pour chaque item, je vais faire point add item. Donc, mis encore point cb sexe. Point add item. Espace féminin. Et lorsque j'ouvre, lorsque j'affiche, c'est la même chose. On a masculin, féminin. Pour aller plus vite, c'est mieux d'utiliser la propriété ressources. L'avantage avec cette propriété ressources, c'est que lorsque le tableau augmente, vous pouvez modifier le tableau directement d'Excel et puis ici, les informations aussi. Voilà. Voilà. Donc là, je vais dans le code, je supprime ici. Si par exemple, au niveau de civilité, ou bien au niveau de sexe, il y a mis non connu,
je n'ai pas besoin normalement de modifier quoi que ce soit. Quand je viens et déroule, vous voyez, nom connu apparaît en même temps. C'est l'avantage d'utiliser cette méthode. Parce que lorsque ton tableau s'élargit, directement les informations sont prises en compte dans ta zone de liste.